Bonjour les amis, aujourd'hui ce tuto je vais le faire en français et je me prépare à vous expliquer comment crocheter un bonnet pour la taille naissance, un bonnet pour bébé, et je vais utiliser mon crochet numéro 5. Ma laine est mixte, c'est 50% acrylique et 50% laine naturelle. Ce point-là que je vais vous montrer est très simple et c'est très agréable à réaliser si vous utilisez une laine qui est un peu plus épaisse. On va commencer notre bonnet en faisant 4 mains à l'air. Et je vais joindre pour créer un anneau. 2 mains à l'air. Et dans cet anneau, je vais crocheter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, init, 9, 10, 11, 12 et 13. Je vais fermer le cercle avec une maille coulée, 2 mailles à l'air, un jeté, et dans chaque maille je vais crocheter 2 brides, 1 et 2. Alors, je vais joindre avec une maille coulée. On a 26 brides pour le rang 2. 2 mailles à l'air, un jeté. Dans chaque maille qui est en paire, je vais crocheter 2 brides. Dans chaque maille qui est paire, je vais crocheter une seule bride. Alors pour l'instant, j'ai 39 brides et je vais faire une bride supplémentaire ici, dans cette maille-là. C'est la maille de début. Après, je vais joindre. Comme ça, j'ai 40 mailles. Donc pour le rang 3, j'ai 40 brides. Je vais continuer avec le point que je voudrais vous montrer. Je vais faire deux mailles à l'air, un jeté. Dans la première maille, je vais faire une bride. Dans la même maille, je vais faire une maille serrée, un jeté. Je vais sauter la maille suivante et après je vais faire une bride et une maille serrée dans une même maille. Et je répète, une bride, une maille serrée, sauter une maille et une bride et une maille serrée. Sauter une maille, une bride et une maille serrée. Et je fais la dernière bride et la dernière maille serrée. Après, je vais joindre avec une maille coulée sur la première maille. Je continue avec le rang 5. Je vais faire une maille à l'air. Dans chaque bride ici, je vais crocheter une maille serrée et dans chaque maille serrée, je vais faire une bride. Maintenant, je vais joindre avec une maille coulée. J'ai mon deuxième rang avec ce point qui est prêt. Voilà. Je continue avec le rang 6. Et cette fois, je vais faire deux mailles à l'air, un jeté. Dans chaque maille serrée, je vais crocheter une bride. Et dans chaque bride, je vais crocheter une maille serrée. Je vous recommande ce point si vous voulez vous faire des pulls. C'est un point qui est assez rapide. Je finis le rang avec une maille serrée et je vais joindre sur la première maille. Voilà ce que ça donne. Vous avez le joli ovale du bonnet, c'est bien fait. C'est pas pointu, c'est un bon ovale. Donc on continue à répéter notre point. On se verra très bientôt pour que je vous montre comment finir le bonnet et crocheter la bordure. Alors, je viens de finir le dernier rang avec ce point. Donc, j'ai 11 rangs qui sont prêts, qui sont complétés. Et comme je vous ai promis dans un de mes dernières vidéos, je vais vous montrer comment crocheter une jolie bordure. Et on va commencer la bordure, donc je vais faire une, deux mailles en l'air, un jeté. Dans la première maille qui est une maille serrée, je vais crocheter une bride prise par l'arrière. Un jeté, après dans la bride du rang précédent, je vais crocheter une bride qui est prise par le devant. Et je continue. Dans la maille serrée, je vais faire une bride prise par l'arrière. Et après, une bride prise par le devant. Et je répète. Une bride qui est prise par derrière et une bride qui est prise par le devant. Et je continue. joue à Gendre. Notre rang, il est prêt. Et je continue avec le rang suivant. C'est le rang 13. 2 moins à l'air, un jeté. Et dans cette première bride qui est prise par l'arrière, je vais faire la même bride. Prise par l'arrière, un jeté. Et dans la bride qui est prise par le devant, du rang précédent, je vais crocheter la même bride prise par le devant. Et je continue à répéter. Et on va joindre avec une maille coulée. On va mesurer le bonnet. Alors, c'est la longueur. Je pense que c'est tout bon. La longueur, c'est juste. C'est 13 cm. Et la largeur, c'est 6 cm et demi. Bon, on peut finir notre bonnet. Très mignon, très sympa, très chou. Merci beaucoup de rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous trouvez que ce tuto vous est utile, n'oubliez pas de vous abonner. Je vais vous proposer des vidéos en français chaque semaine. Je vous souhaite un excellent week-end et à la prochaine.